Dans la ville de Samarcande, il y avait un cordonnier qui s'appelait Marie. Il était affligé d'une femme aussi pénible que le vinaigre dans l'œil. Mauvaise, déguisante, une vraie calamité. Un jour, elle le gifle sous prétexte de tuer une puce invisible. Et là, c'est la goutte d'eau qui a fait déborder le vase. Marouf n'en pouvait plus. Il est parti. Pendant des heures dans les ruelles de la ville. Il est arrivé dans des ruines. Il s'est assis et il s'est mis à prier. Aïe Allah, Seigneur, emporte-moi loin de cette vie, emporte-moi. Et toute la nuit, il s'est mis à prier, à supplier. Au petit matin, sortant d'un mur, il a vu apparaître un étrange personnage. Son corps était baigné de lumière. Je suis l'Abd al-Makan, seigneur de ces lieux. Que désires-tu? Le pauvre Marouf lui a raconté ses misères et ses espoirs. Alors l'Abd al-Makan lui a dit, n'aie pas peur. Il l'a attrapé, l'a mis sur son dos et ha, ils sont partis dans les airs. Ils ont traversé déserts, villages, rivières. Marouf a fermé les yeux et au petit matin, il s'est retrouvé dans les ruelles d'une ville inconnue parmi les charrettes d'oranges et d'épices. Où suis-je? Tu es dans la ville d'Iktia, lui ont dit les passants. Et toi, d'où viens-tu? Marouf a montré le ciel et là, tout le monde s'est moqué de lui. On l'a pris pour un fou. Et là, on a commencé à le bousculer, coup de coude, coup de poing, jusqu'au moment où un homme est arrivé à cheval. Honte sur vous, Jean d'Iktia. N'avez-vous pas honte de maltraiter un voyageur perdu? L'homme a fait monter Marouf sur son cheval et il l'a emmené dans sa maison. Il lui a offert du thé et lui a dit « Quand je suis arrivé dans cette ville, j'étais aussi pauvre et aussi perdu que toi. Mais j'ai fait courir le bruit que j'attendais une caravane. Alors, écoutant cette rumeur, on m'a prêté de l'or. Avec cet or, j'ai fait quelques bonnes affaires, j'ai remboursé mes prêts et en un an, je suis devenu un commerçant prospère. Alors écoute, prends cette robe brodée car quand on emprunte de l'argent, il faut avoir bonne mine. Et fais comme moi. Marouf a revêtu la robe brodée et il est allé frapper à la porte des commerçants. Et là, il a décrit le caravane qu'il attendait dans quelques jours, chargé des merveilles de la terre. Et ça a marché. On l'a cru. Et on lui a prêté de l'argent. Mais Marouf n'est pas devenu riche pour autant. Il était généreux. Il ne supportait pas la lueur de la misère dans les yeux des mendiants. Alors, on lui prêtait de l'argent et il le distribuait aux mendiants, aux éclopés. Voyant cela, les commerçants se sont dit, oh là, pour distribuer l'argent qu'on lui prête avec autant de générosité, il est sûrement sûr de sa fortune. Et on lui a reprêté de l'argent et lui a redistribué l'argent aux pauvres et aux mendiants.
Mais les jours ont succédé aux jours et la caravane n'arrivait pas. Et les créanciers ont commencé à douter. Et si ce Marouf était un imposteur? Alors ils sont allés se plaindre au roi de la cité. Le roi réfléchit. Je vais montrer à cet homme une pierre précieuse. S'il en connaît le prix, c'est que ce n'est pas l'imposteur que l'on prétend. Il a fait venir Marouf. Regarde cette pierre. Sais-tu combien elle coûte? Marouf a regardé la pierre. Il s'est gratté la tête. Il a regardé le roi, la pierre, le roi, la pierre. Et non, il ne savait pas combien ça coûtait, mais s'il le disait, il s'en était fini de sa vie. Alors, eh bien, mon roi, votre pierre a belle mine, mais à côté de celle que contient ma caravane, sauf votre respect, elle ne vaut pas plus qu'un galet de rivière. Mais il est encore plus riche que je ne pensais. Il faut que je lui marie ma fille. Devant cette nouvelle proposition, Marouf s'est gratté la tête. Emprunter de l'argent, mentir, ça il pouvait faire, mais épouser une princesse, bon, quand même, c'était pas raisonnable. Alors, sire, je suis très honorée de votre proposition, mais tant que ma caravane n'est pas arrivée, je préférerais repousser la date du mariage. Quel homme honnête. Écoute, marie ma fille. C'est un ordre. Embrasse-moi, mon fils. Et Marouf a épousé la princesse. Le roi lui a permis de puiser dans le trésor royal et il a puisé. Une pluie d'or est tombée sur les mendiants, les écopés de la ville. Les festivités ont duré 30 jours et 30 nuits. Et au bout des 30 nuits, Marouf s'est retrouvé devant sa femme. Et là, ben, il s'est montré sincère. Ma chère femme, nous avons dépensé autant d'or qu'il y a d'étoiles dans le ciel. Était-ce bien raisonnable? Marouf, ta caravane va bientôt arriver, tu vas tout rembourser, alors ne t'inquiète pas. Eh oui, ma chère femme, cette caravane, elle n'existe pas. Elle n'a jamais existé, elle n'existera jamais, alors que vas-tu faire maintenant que tu connais la vérité? Eh bien, une femme ne peut pas vouloir le déshonneur de son mari, car il retomberait sur elle. Alors écoute, Marouf, prends l'argent qu'il nous reste, déguise-toi en esclave et pars, quitte la ville, je te rejoindrai dès que je pourrai. Et Marouf est parti. La princesse est allée le lendemain voir son père. Ben où est ton mari? Eh bien, des messagers sont venus le prévenir que des brigands du désert avaient attaqué sa caravane. Alors, il est parti, on lui a volé une centaine de chariots, ce n'est rien à côté de sa fortune, mais il a voulu rassurer ses gardes et il est allé les accompagner. Quel courage! Et pendant ce temps-là, Marouf courait la campagne. Il est arrivé au bord d'un champ et un pauvre paysan poussait sa charrue. Quand il a vu Marouf, en lambeau, fatigué, il est allé vers lui, il a dit « Oh, mon pauvre ami, t'as l'air bien mal en point. Écoute, j'ai pas grand-chose, du pain, du fromage, mais je t'invite. » Il est allé chercher son repas dans sa cabane. Marouf a été touché par la générosité de cet homme et il s'est dit « Il faut que je fasse quelque chose pour lui. Je vais lui creuser un sillon. » Alors il a pris la charrue et dit que je te pousse, mais au bout de 5 pas, ping, il tombe sur une pierre. Il pousse la pierre, un trou et un escalier. Alors il emprunte l'escalier et là, il se retrouve dans une caverne éclairée par des flambeaux perpétuels. Et ses yeux découvrent des coffres pleins de quoi, à votre avis? De l'or, quoi encore? Des pierres précieuses et des tissus. Et là, il avance, et les cavernes se succèdent, les coffres remplissent tout ça. Il n'en croit pas ses yeux. Il cogne une boîte. Alors il se penche, il ramasse la boîte, il l'ouvre, et là, un anneau. Il prend l'anneau, machinalement, il le frotte contre sa manche, et là, tout à coup,
Une fumée sort de la nuit. Et devinez ce qu'il voit à travers la fumée. Pas une carabine, non, un génie. Ah oui, c'est le pays des génies. Un immense génie. Oui, seigneur de l'anneau, je suis à votre service. Que désirez-vous? Eh bien, écoute, tu poids tous ces coffres, tu me les amènes à l'air libre et tu me constitues une caravane. D'un claquement de doigts, le génie a fait apparaître chevaux, ânes, chameaux et 1000 malouks qui ont chargé la caravane. Et le paysan, quand il est revenu avec son pain, son fromage, il a vu toutes ses richesses, il ne s'est pas démonté. Il a dit à Marouf, mangeons. Alors ils ont commencé à manger. Et Marouf lui a dit, maintenant que je suis riche, qu'est-ce que je peux faire pour toi? Veux-tu un château, des esclaves? Oh, moi, tu sais, ce que je voudrais, c'est une maison. Une maison en pierre et 4 sacs de grains, car je labourais mon champ, mais je n'avais pas de grains à semer. Alors, d'un claquement de doigts, le génie a fait apparaître la maison et les 4 sacs de grains, bien sûr. Et le paysan était heureux. Et Marouf l'a quitté, il est parti vers la ville où l'attendait sa femme, la princesse. Elle était à sa fenêtre et là, tout d'un coup, elle aperçoit la poussière au loin et là, une caravane, mais oui, une immense caravane comme elle n'en avait jamais vue. Et à la tête de sa caravane, qu'est-ce qu'elle voit? Son mari Marouf. Mais il m'a mis à l'épreuve en me disant que sa caravane n'existait pas. Alors elle a couru, elle a descendu du palais pour aller l'accueillir. Et le roi et les commerçants, eux aussi, sont allés l'accueillir. Mais il n'était pas étonné. On attendait une caravane, elle arrivait chargée de richesses comme jamais il n'en avait vu, bien sûr. Et c'est ainsi que l'histoire de Marouf se termine. Eh bien, mes chers amis, j'espère que votre caravane arrivera aussi à bon port.